Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur. Aujourd'hui, 11 octobre, nous allons parler de la fête de la maternité divine de Marie et faire une invocation afin d'obtenir la guérison de sa part et la protection naturellement. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Je vous en remercie et merci de partager et de liker cette vidéo si vous l'appréciez. En 1931, à l'occasion du 15e centenaire du Grand Concile d'Éphèse, qui proclama le dogme de la maternité divine, Pie XI établit la fête pour l'Église universelle au 11 octobre. La maternité divine de Marie l'élève au-dessus de toutes les créatures. L'Église l'honore en ce jour, cet incomparable privilège accordé à Marie, dogme fondamental de notre sainte religion, grande est la dignité de la mère. Mais combien plus digne que vénération est celle de la mère du Fils de Dieu qui a engendré dans le temps celui qui est engendré du Père de toute éternité. En nous faisant vénérer ainsi la très sainte Vierge, l'Église veut susciter, et bien plus encore l'Église, d'autres personnes en nos âmes, un amour filial pour celle qui est devenue notre propre mère par la grâce. Marie nous a tous enfantés au pied de la croix. Notre prérogative des frères adoptifs de Jésus-Christ doit éveiller en nos cœurs une confiance illimitée envers Marie qui nous a adoptés sur le calvaire lorsqu'avant de mourir, le Sauveur nous a présentés à la co-rédemptrice en la personne de Saint Jean. Comme les enfants qu'il désirait l'avoir adopté, disant « Mère, voici votre fils, fils, voici votre mère », ces paroles sont comme le legs testamentaire du Christ. « Que peut-on concevoir au-dessus de Marie ?» demande saint Ambroise. « Quelle grandeur surpasse celle qu'a choisie pour mère, celui qui est la grandeur même ? Il a plu à Dieu d'habiter en vous, ô Marie, lui dit saint Bernard, lorsque de la substance de votre chair immaculée, comme du bois incorruptible du Liban, le Verbe s'est édifié, une maison par une construction ineffable. C'est en vous, ô Mère unique et bien-aimée, qu'il s'est reposé et qu'il a versé sans mesure tous ses trésors. Maintenant, une invocation à la bienheureuse Vierge Marie. Sous votre garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprisez pas nos prières dans le besoin où nous sommes, mais délivrez-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Consolation des affligés, priez pour nous. Aide des chrétiens, priez pour nous. Daignez nous accorder de vous louer. Vierge très sainte, donnez-nous la force contre vos ennemis. Vous, notre mère, vous, en qui nous mettons notre confiance, Vierge, Mère de Dieu, Marie, priez, Jésus pour nous, Reine très digne du monde, Marie, toujours Vierge, intercédez pour que nous trouvions le salut et la paix. Vous qui avez enfanté le Christ Seigneur et Sauveur de tous, Marie, Mère de la Grâce, Mère de la Miséricorde, protégez-nous contre l'ennemi et recevez-nous à l'heure de la mort. Et
venez à notre secours. Très tendre Vierge Marie, dans toutes nos épreuves, difficultés et besoins, et demandez pour nous à votre divin Fils qu'il nous libère de tout maux et péril de l'âme et du corps. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé votre secours ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés et de nos péchés, nous nous prosternons à vos pieds, ô mère du Verbe incarné. Ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Marie, Mère de notre Sauveur Jésus-Christ, qui avait été conçu sans péché, priez pour nous qui vous écoutons maintenant. Priez pour nous qui écoutons cette vidéo. Maintenant, priez pour nous qui vous écoutons maintenant et à l'heure de notre mort, protégez nos entreprises, soyez sa consolation. Vous, la douce protectrice de toutes les mères, ne nous abandonnez pas dans nos moments difficiles. Vous, la douce protectrice de toutes les mères, ne nous abandonnez pas dans les moments difficiles. Mère de miséricorde, nous avons mis votre confiance et notre confiance en vous. Faites qu'il en soit ainsi, ainsi soit-il. Mère de miséricorde, nous avons mis en vous toute notre confiance. Faites qu'il en soit ainsi, ainsi soit-il. Mère de miséricorde, nous avons mis en vous toute notre confiance. Faites qu'il en soit ainsi, ainsi soit-il. Nous allons maintenant guérir de tous nos maux. Nous allons guérir maintenant de tous nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou autres. Nous allons maintenant guérir de tous nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou autres. Sainte Vierge Marie, préservez-nous des atteintes des armes de nos ennemis, comme vous avez préservé votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Vierge Marie, préservez-nous des atteintes des armes de nos ennemis, comme vous avez préservé votre Fils,
notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Vierge Marie, préservez-nous des atteintes des armes de nos ennemis, comme vous avez préservé votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Gratitude, gratitude à la Vierge Marie, nous t'exprimons notre gratitude, la plus sincère et la plus profonde. Merci, merci, merci.